Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part d'une info. Donc je ne dis pas que cette info sera relative en ce qui concerne les futures mises à jour, donc les futures mises à jour 1.16, etc. Mais je vais tout simplement vous montrer l'avancée du jeu sur GTA Online. Rockstar l'avait bien annoncé lors de la sortie de GTA 5 que ce jeu serait en pleine évolution tout le temps avec des micro mises à jour, etc. J'ai fait mon petit tour quotidien, je fais toujours mon petit tour sur GTA Online pour voir ce que Rockstar a rajouté de nouveau, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enlevé, etc. Et là, hier soir, j'ai pu constater grâce à un abonné qui m'a fait, qui m'a fait aller dans ce quartier-là que de nouvelles maisons, que des maisons étaient tout simplement en construction. Alors je ne sais pas si ces maisons vont tout simplement être des futures maisons où on pourra habiter, mais ces maisons sont en construction, donc ils l'étaient déjà avant, mais là ils ont beaucoup plus évolué, vous allez le voir. Donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui est fou, mais personnellement pour moi il n'y avait absolument rien, pas comme ceci avant. Donc là je vous montre un peu le quartier qu'il y a. Donc j'ai déjà testé d'appeler ce numéro que vous pouvez apercevoir, donc 555-01-61. Et quand j'appelle ce numéro, ça me met sur une boîte vocale et ça me dit votre boîte vocale est pleine. Donc peut-être un nouvel endroit où on pourra acheter des bâtiments. Donc il s'appelle Wolf, en plus c'est relatif avec mon logo et tout. Enfin bref, donc c'est pas ça que je vais vous montrer, mais tout simplement à côté. Donc là on va se rendre tout de suite à côté et là vous pouvez voir des maisons en construction. Personnellement, moi, je suis déjà allé dans ce quartier-là plus d'une fois, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, ces maisons-là n'étaient pas du tout en construction comme elles le sont actuellement. Peut-être que c'est moi qui est fou, mais pour moi, ces maisons, ces sortes de constructions sont arrivées en 1.14. Personnellement, je n'avais pas vu. Pour moi, avant, quand je venais dans ce quartier-là, les maisons étaient tous dans ce style-là, mais elles n'étaient pas construites comme ceci, c'est-à-dire avec de la structure, etc. Donc peut-être des futures maisons, parce que là, on voit vraiment bien qu'il y a un sol, on voit bien qu'il y aura des choses à l'intérieur, on voit bien le sol, etc. Il y a vraiment de tout. Alors je ne sais pas, hypothèse, idée ou rumeur, je ne sais pas, ça peut pas être une rumeur en tout cas, mais personnellement, pour moi, ces maisons n'étaient pas comme cela avant la mise à jour 1.14. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce quartier-là ou si vous avez déjà remarquez cela. Donc je vous montre un peu le quartier, où se situe le quartier. Donc il se situe tout simplement ici. Donc là il y a la maison où il y a toutes les habitations, et ici la rue où il y a les maisons en construction que vous pouvez tout simplement apercevoir ici. Donc je vous remonte un peu l'endroit où se situent ces maisons. Donc c'est juste ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette info. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Donnez-moi tous vos avis dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et de voir ce que vous en pensez. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez-le sur Facebook et Twitter afin que vos potes puissent donner leurs avis sur cette info. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.